Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce tout nouveau live, dans cette toute nouvelle demi-finale. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter le caster du jour, Maître Skymander, bienvenue à toi. Salut tout le monde. Sana, je vois, il y en a qui ont dit que derrière le masque il y avait un deuxième Sarge. Mon jumeau maléfique. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de section 1, on est déjà 78. Ouais, dédicace au 7-8. L'équipe du capitaine Sir Vanix contre l'équipe du capitaine Guillaume avec VDC dedans. Les tryharders sont là, c'est la demi-finale, ça rigole pas. Pour ceux qui ont vu la première demi-finale, elle était sous haute tension, ça a chauffé entre les joueurs. On espère qu'il y aura du niveau, du talent et surtout du beau jeu. Je sais pas ce que t'en penses, Skymander. Ah bah, je peux confirmer, là, vraiment, on est face à un match qui fait une rencontre avec des équipes atypiques. Donc ouais, l'équipe de Sir Vanix, Paté, oui, qui... Alors vraiment, le plus drôle, c'est qu'en fait, les trois premiers matchs qu'ils ont fait, c'était, comment dire, des déclarations de forfait. Et leur vrai, véritable premier match, ça, c'était vraiment la quart de finale qu'ils ont gagné. Ils ont fait vraiment peu de matchs, et tandis que VDC, qui nous ont épatés, quoi, en jouant majoritairement l'axe. Ouais, non, voilà, vraiment, c'est pour moi, c'est le match du siècle de cette compétition. Hein. Une bonne demi-finale, une très bonne affiche. On va rejoindre les équipes, à mon avis, ça va être le gros bordel. On peut descendre dans le vocal du dessous. Oh, bon. Du coup, j'ai mis l'équipe B, donc équipe côté Guillaume, okay. Équipe de Guillaume. Okay. Je fais tourner la roue, allié Wax, j'ai juste à cliquer une fois, qui veut donner le top départ. Vas-y, go. Non, il y a 0,01% de chance de plus qu'on tombe sur les alliés. Yes. Let's go. clap. Dans 4 heures, les gars. Guillaume, main chanceuse, visiblement. Okay. Let's go. Le go magique. Donc... C'est VDC qui a joué comme ça ou quand c'est... Let's go. Allez, hop. Enfin, on va s'amuser, putain. Oui, putain. Ça qui peut aller. Hey, yo, what the fuck. Ils ont entendu ce moment tout le week-end, les gars. Est-ce qu'on peut mettre avec une équipe qui est pas sombre, SDP? J'ai jamais vu des gens qui jouissaient aussi fort pour une équipe, quand même, sur un jeu vidéo. Je suis pas au bout de me pendre. Moi, à ta place, je me pendrais vraiment. Moi, j'ai pas 6 heures à perdre. Là, on va terminer la game en 3 heures. C'est bien. Oh, l'autre, le prétendu. D'accord, VDC. J'ai hâte que tu capes, espèce de trou de balle. Ouais, vas-y, go, il y en a qui jouent la France, l'autre qui joue l'Autriche, l'autre qui va dans la Tchèque. Et ouais, mais VDC, il m'a harcelé pendant au moins 3 semaines à me dire: non, mais Guillaume, il y a un truc, j'ai fait un truc avec le soviétique, vraiment, faut qu'on le fasse. Donc là, c'est mort, hein. Il va jouer soviétique. Allez, et messieurs les arbitres, que l'ordre règne, parce que là, il y a des fichiers S aujourd'hui. Que l'ordre règne. Ce polo bleu fuchsia irait parfaitement avec ton caleçon de la même couleur. L'équipe de Guillaume, là, ils jouent alliés, ils ont l'air vachement heureux. L'équipe de Sir Vanix aurait bien aimé jouer alliés, donc là, ils jouent aussi, ils jouent Axe. Ça a l'air d'un peu moins leur plaire, on va voir ce que ça donne. On attend que Addict mette ses jumelles. Ouais, bah, surtout que c'est la première fois dans le match qu'ils vont jouer Axe, du coup, les Sir Vanix. Ouais. Après, je crois que c'est la première fois que l'équipe de VDC joue alliés, donc ça se trouve, ça se retourner contre eux, ils ont peut-être pas l'habitude. Effectivement, déjà, premier retour en situation, voilà, les équipes qui ne jouent pas leur faction, habituelle. Alors, VDC, URSS, ça m'étonne pas. Guillaume, Angleterre, ça m'étonne pas. Et du coup, Vodka, États-Unis, ça m'étonne pas, je m'y attendais. Côté Sir Vanix, Allemagne. Oh, c'est Sir Vanix qui joue l'Allemagne. Oh, ça peut être intéressant. Sir Vanix, il est bon quand même, hein. Avec l'Allemagne, il peut nous étonner. Ouais, hein. Sir Vanix. Il a le bon niveau. Il a assuré la game, quoi. Pat, il joue l'Italie. Ouais, Pat, il avait assuré pour le niveau aviation parce qu'il avait joué l'anglais. Et en tout cas, ils ont mis Monsieur Will au Japon. Donc, Monsieur Will, c'est celui probablement qui va devoir, on va dire, contenir le plus l'américain, voir ce que ça donne. Ça se tente en vrai, hein. On faut voir ce que ça donne. Et bah, je pense qu'on peut donner le coup d'envoi, les gars. Et let's go, ouais. Ça part en Italie. Ok, let's go, coup d'envoi. Pat qui déplace toutes ses troupes en Éthiopie. Ça y est, tout part. Il envoie la flotte. Non, il regroupe la flotte dès le départ. Est-ce qu'il perce en Éthiopie? Non, il attaque pas encore. Il attend d'avoir peut-être ses divisions qui sont là. Mais c'est pas un peu risqué? Ah, ça y est, ok, j'allais dire, c'est bizarre d'attendre autant. Ouais, parce qu'il faut faire vite, parce qu'il a jusqu'au mois d'avril, parce que si avril est dépassé, l'Ethiopie continue en distanciel. Hein. Ouais, en distanciel, tu sais, il est en visioconférence, l'Ethiopien. Voilà, la visioconférence avant l'heure, la punaise. Tu m'auras jamais. C'est ça. Alors là, surtout, il faut pas aggraver la guerre. Donc là, il a pas aggravé, il a bien fait. Faut surtout pas aggraver la guerre, parce que sinon, le niveau d'aggravation augmente, et plus il augmente, plus c'est chiant pour l'Italie après. Ouais, ouais. C'est impressionnant, on n'a jamais eu autant de points. 200 000 points sur l'équipe de VDC. Oh là 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 là, on va les écouter s'énerver. C'est quand le dernier match là où il y a eu le plus de points? 20K, 106, 10K, 2K, 1K.
perce, là il a une chance de finir avant avril, je pense. Ouais, ouais, tu penses ça perce, t'es optimiste? Oh, ça se déroule, bah, ça se déroule bien, ouais. Il a mis toute son armée là, faut... En fait, ce qu'il faut pour la technique, pour les Tempis, c'est prendre le plus de cases possible, le plus rapidement possible, en vrai, je pense. Ouais, et en vrai, moi je trouve que la technique, ouais, c'est passer par... plus par le sud, parce que ouais, comme le nord c'est les montagnes et le sud c'est juste des plaines et un petit peu de désert, mm-hmm. ça va plus vite. Hein. À voir ce que ça donne, à voir ce que ça donne. Ok, est-ce qu'on écoute, on regarderait pas vite fait le bull de Allemand, Servanex qui fait du civil, je pense. Infrastructure et civil, Mosland-Rhénanie comme full d'hab. Full civil, effectivement, full civil. Recherche anti-char dès le départ, peut-être pour des composants d'avions ou pour des chars anti-char, peut-être. Eh, hey, ça améliore non. déjà les avions, mitrailleuses lourdes. Ah oui, non, mais avec, depuis le décès de Blackwood Allen, l'avion, c'est capital maintenant dans toutes les games. Ah ouais, ouais, clairement. Au moins les chasseurs, avoir un bon chasseur, là, vraiment pimper les chasseurs, ça va être important. Pour l'infra, mais comme le dernier match, pareil, l'autre, dans le dernier match, celui qui avait joué à l'anglais, il faisait pareil, il faut l'infrastructure, c'est grand-chose. Hein. Barjo le sang, prévenez-moi quand l'équipe des VDC va s'embrouiller pour la 300ème fois SVP. Attends, je sais pas si on peut les entendre en vocal, là, c'est Axe Wallier. Moi, si je peux le baiser sur un coup, c'est genre je perds en Espagne. Du coup, VDC il a un carton jaune, du coup il a un carton rouge. L'espagnol, il y a, enfin, l'allemand qui vient de dire à Skymander, je vais faire exprès de perdre en Espagne pour que VDC il a un jaune, et comme ça il se prend un rouge. Oh mon dieu, imaginez ça marche, parce que VDC a déjà un jaune à cause du dernier match, et s'il se reprend un jaune, c'est un rouge. J'ai quoi d'activé? Un truc de manga, ma banque, de YouTube, Serge le chef, et règlement de la coupe francophone. Je l'assume pleinement. Le compte de ma banque qui est ouvert, le compte, je suis en train de faire d'investir dans la crypto-monnaie en même temps que vous. Il est sur le club pingouin. Voilà, il y a 20 pages ouvertes en même temps qu'il joue. Ah, l'Ethiopie a capitulé. Ah bah voilà, tu vois, c'est bien ce que je pensais, parce qu'Amander il a trop attendu. Distanciel. L'Ethiopie est encore en jeu, alors plus de 100 000 points pour l'équipe de VDC. Bon, je sais pas ce que t'en penses, Kaimander, mais tendance nationaliste cette Espagne, à mon avis. Hein. Pour l'instant, ouais. Bah, est-ce qu'il a envoyé le volontaire, le russe, ouais. Dark Shigo qui a mis 60 000 balles en jeu. Hypothèque ta maison à ce moment-là, hein, Dark Shigo. Pas de support aérien, des camionnettes, des de l'infanterie et de l'artillerie. Tu seras assez pour ta avion, ouais. C'est... Standard. L'allemand. Allemand, en vrai, je pense qu'en 36, ils font pas encore des productions de dingue. Je pense qu'il faut attendre peut-être. C'est pas spécifié, mais en tout cas, full fusil. On voit qu'il y avait vraiment pas de déficit dès le départ. Déjà au Japonais. Qu'est-ce que prennent les Allemands? Ils sont au nord. Laisse-le faire sa vie. Je suis en train de me dire, les gars, c'est pas improbable que Servanix fasse exprès de perdre sa guerre. Non, ah non, il est là, ok, ok, les camions ils sont là. Ah, il en a 6. Alors, je pense qu'il a le bug du matériel, parce que regardez, le matériel il remonte pas, donc je pense qu'il a encore une fois le bug du matériel qui. Mais il en a. Je savais pas qu'il pouvait en envoyer au moins 6. Oh, si, si, c'est parce que le soviet a un grand nombre de divisions. Est-ce qu'on peut entendre côté allié? Non, c'est pas ça, c'est juste en fait le truc qui est bugué. Attends, stuff à de l'Andlise, il va mourir de toute façon. Là, il est bugué, donc vous voyez, il peut pas regagner son matériel. Genre, en Espagne, c'est chiant. L'Andlise, pas un truc, il va mourir. Il est bugué, il a subi le bug. Il meurt dans 2 mois, la restolithèse. Ok, l'allemand qui commence à sortir les divisions, les gars, ça devient intéressant. L'allemand qui commence à spam de divisions, à mon avis, ça prépare l'Anschluss, il essaie d'avoir le nombre de divisions suffisantes. Une... effectivement. Donc là, l'américain qui farme son XP naval. C'est quoi un bateau? C'est le truc que t'as en Baltique. Ah ouais, en... il rush toutes les doctrines. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, tous mes bateaux lourds, ils sont crimés, comme ça, il pourra jamais faire le truc que je faisais. Et le bug a été résolu. Le Japon a déclaré la guerre à la Chine, attention, monsieur Will. Si. Monsieur Will, le Canadien à la manœuvre. Tu peux le faire, oui. Ok, ça part bien. Excusez-moi pour tous les Canadiens, j'ai mal fait l'accent. Ok, donc là, ça me stresse toujours de voir ça. Encore une fois, il a pas suivi les tutos, les gars. Il prend pas les cases d'à côté, ça me stresse. Moi, mon débarquement, je prends tout le temps les cases d'à côté. Je sais pas pourquoi il fait ça. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'en plus, tous les ports en Chine, ils ont tous des bunkers. Oh non, il va pas se chier en Chine, Will, là. Oh là, ça va balancer des claviers, les gars. Premier fail, peut-être, non? Oh, non, mais c'est bon, Will. Ah, là, le débarquement. Ah, non, ça, il s'est chié. Mon débarquement en Chine, il passe même pas. C'est semi fail. Ah, ça, c'est bon, on l'entend. Il dit que ça passe pas. Dégage tes malus, hein. Moi, je fais ça, moi. Comment j'enlève mes malus? Moi, je crois qu'il a pas l'habitude du Japon, Will. Ouais. C'est mec, sérieux, mec. Ah oui, parce que le Japon, c'est pas un bordel. Parce que oui, mais en plus, il a tous les malus d'attaque et de défense contre toutes les nations chinoises. Oh, par contre, il a une bonne template d'attaque, hein. R230. Concentre, t'attends. Là, il a foiré, hein. Là, il a foiré. Réaction du japonais. Ça nous prouve un truc, les gars. On voit bien que il voulait vraiment jouer allié, ça se voit tout de suite. Du coup, on a un 38. Du coup, peut-on faire le tour des productions? Ok, ça concentre, ça se concentre, ça parle plus trop côté axe. Est-ce qu'il va prendre Kindao? Il a plus de chance. Oui, encore une fois, il aurait les 4 sur côté. Un truc de ratio. Je vais tester un truc, mec, si ça marche. C'est quoi ce sourire? Là, faudrait qu'il rencercle un coup comme ça, ce serait pas mal.
Non, non, non. Il y a plus, ils vont monter russe. Ah, il a encerclé les russes, il a encerclé les russes. Ah bah voilà. Allez, sur l'angle. Le joueur italien qui nous fait de la drill en direct. Ma maman a dit que je suis spécial. Voilà. Aïe. Pas mal. Bon bah. Voilà. Ça, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses, Kaimander, mais ça rassure ceux qui ont voté côté allié de voir ça peut-être un peu. Ah oui, ah ouais, il est déjà en mobilisation partielle. Ah ouais. Putain. Avril 38, il est déjà en mobilisation partielle. Oh putain. Ah, il a speedrun là. Ah ouais, bah c'est la tension mondiale qui a dû trop augmenter. Hein. Je sais pas à cause de qui. Merci aux 157 qui sont là. Et Marshall Sion qui dit. Hop là, allez hop. Oh, yeah. Ah. Pat en sco. Ouais, je fais du calme the beer. Il est fada le gars. Bon, bah, avec... Putain de dégène ce type. Vraiment. C'est un mec qui est vraiment à posséder. VDC qui se mange de pâte. Un peu marre de faire des civils. Bon bah voilà. Regardez-moi, ce bel anglais, 78 unes civils. Sans aucun boosting, n'est-ce pas, Biroxy? Sans boosting, mec. T'imagines, no boosted, genre, n'est-ce pas, no boosted, hein. Il nous fatigue. Ils nous fatiguent ces joueurs là, mais eux bon, pour l'instant ça va. Eux faut les écouter quand ils commencent à s'engueuler. Non, non, ça, la template anglaise là, je vois qu'il c'est de l'air de vin. Et merci aux 261 qui sont là. Ok, ça avance au niveau de Madrid. Ouais. Bon, bah en tout cas, ouais. Madrid, ils ont Madrid on est là. Ils ont dû gratter pas mal d'expérience, je pense quand même, hein, parce qu'une guerre qui dure jusqu'en 10m38, c'est pas mal. Hein. Bon, par contre, je sais pas ce que t'en penses, Skymander, mais cette Chine, c'est une catastrophe. Hein. Là, y a rien du tout. Et il est au même niveau que le bot japonais. Hein. Les joueurs, ils comprennent pas que quand c'est un bot, tu peux prendre des risques. Quand c'est un humain, tu prends pas de risques. Mais là, en fait, je pense que Will, c'est quelqu'un qui a tellement l'habitude du ligne que là, il joue comme si le chinois c'était un mec en ligne. Mais non, le chinois c'est un bot. Donc qu'est-ce que tu fais? T'arrives sur un port, t'encercles les cases d'à côté, tu prends le port et t'étends la ligne. Enfin, faut prendre des risques. Hein. Contre un bot, prenez des risques. Là, c'est un bot, tu prends des risques. Souvenez-vous de votre cas la dernière fois quand on a dit que ça se passe bien en Chine. VDC qui va absolument pas se faire encercler. Hein. On voit vraiment qu'il protège ses lignes à mort. Le chinois a des avions. Mais non, même pas. Il a même pas d'avion. Alors, s'il en a, c'est genre des escadrilles de merde. Par contre, le japonais a pas fait d'avion non plus. Mais non, mais le chinois, il. Ah bah, tiens. Ah ouais, il a même pas. Ah bah ouais. Ouais, il y a des experts. Mao Zedong dans son avion. Il renvoie. Ah, il redébarque. Ah, voilà, ok, le plan Will. Ok, ah, la tête de pont. Il y a du plan quand même. Hein. Allez, que la situation s'arrange. Voilà, ça c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bien. Non, si ça passe. Fais que des navires d'escorte. Non, mais faut qu'il bloque les renforts. Ah, il faut pas qu'il laisse les renforts. Ah, oh, oui, c'est bon, ok. Oh, on a eu un petit coup de chaud là. Avions, et encore, il a pas. Pas l'avion, il est que sur l'infanterie. Je pense que c'est bon. Toi, t'as combien d'usines sur les bombardiers à vous? 5. Tous les Italiens et les Allemands, okay, pour les deux. Super. Ah, merde. Ah bah. Ah, bon, super. Ça c'est con. Ah, ça c'est con. Ah super, ouais, ça repasse. Ah, ok, ça va. Allez Will, il est timide peut-être. Ouais, mais c'est dommage, il devrait prendre le temps de savoir comment ça se passe avec lui et tout pour le mettre en confiance. Ok, c'est bon là, Will il est à la manœuvre. Allez, est-ce qu'on va l'entendre? Est-ce qu'il se réveille, Will, l'éveil du géant? Il est là, c'est bon. Allez Will, d'être ça. 15 divisions. C'est bien Will. Là c'est bon, il est reparti. Mais franchement les gars, j'ai déjà joué contre Will. Il a quand même un très très bon niveau. Là, je pense qu'il est peut-être surpris de se retrouver en Chine, mais il a quand même un très très bon niveau. Skymander, t'es optimiste pour la suite ou tu crois que ça va être encore compliqué? Le problème, c'est que s'il finit pas la Chine avant de déclarer la guerre à l'américain. Ah, pire scénario. Ça va être le pire scénario. Peut-être le pire. Ouais, non, je sais pas. Après, tant qu'il déclare pas la guerre à la Malaisie ou au Raj britannique, c'est pas le pire des pires. Donc là, faut encercler et agrandir le front en même temps. Le japonais ne regarde pas son pays, il écoute toutes les bêtises qu'on dit. Non, mais je te jure, depuis tout à l'heure, les qui sont trop en train de regarder, sont en train de les critiquer ou pas, mais concentrez-vous dans la game. Bon. Et ça reste timide, hein. Ça reste timide cette invasion de Chine. L'empereur Hirohito qui est un peu au ralenti. Ça commence à se faire, on voit que ça se découvre un peu. Ah, enfin de l'avion chez l'anglais. Hein. Ouais. 21 de défense, 36 attaques, 71 d'agilité. On mise énormément sur une défense et sur une agilité. Il me paraît très très bon. Voilà, il veut vraiment faire ses bombardiers pour les bateaux anglais. Ouais, bah pourquoi pas à la limite, mais ce serait bien qu'il nous sorte sa navy. Tiens, on va voir son croiseur à quoi il ressemble dans quelques instants. Donc il a bien des bombardiers et il fait surtout des avions. Cellule, le C2000. Ouais, non, le C200. Pardon. C200, Saleta, c'est bien celui-là. Ouais. Ouais, moins performant que l'anglais. Oula, oh, bah oui, complètement. Il a aussi, il est complètement champignon là. Oula, il a la défense, mais il a pas l'attaque et il a pas l'agilité. Ouais, non, celui-là il passera pas contre l'anglais. Hein. J'espère qu'il nous prévoit mieux que ça. C'est la cellule de 36, normal. Ouais, bah faudra qu'il l'upgrade parce que là, l'anglais qui dominera totalement. Hein. C'est sûr, les gars. Il a pas l'agilité, il a pas l'attaque. Ouais, je vois pas trop ce qu'il veut faire là. Il alterne entre les deux. Là, je vois qu'il est en train de faire des recherches maritimes. Vraiment, ouais. Il se dit, ah non, finalement, faudrait que je fasse un peu de maritime. Ah non, l'aviation. Ouais.
là, il nous fait une polyvalence, mais l'italien, il est très limité dans son champ d'action, donc il faudrait pas qu'il soit trop limité dans le sens où il a pas trop d'usine, les gars, donc il faudra faire attention à ça. L'allemand, il fait quoi au niveau aérien? Early Cruiser, je crois que l'allemand, il faisait rien, je guette ça dans un instant, on regarde juste l'Early Cruiser série 6. Il est énervé quand même, son croiseur, hein. Il a quand même beaucoup, beaucoup d'attaques lourdes, il a beaucoup de perforations, et il a quand même pas mal d'artillerie légère, donc c'est pas mal. Donc là, il est bien contre tout, sauf contre les sous-marins, donc j'espère que bah voilà, il fait des croiseurs à côté, donc ça m'étonne pas. Donc là, on a un navire qui est très polyvalent, mais encore une fois, ça battra pas forcément l'orgueil du Royaume-Uni, mais ça peut être pas mal. Et c'est surtout que l'allemand ne fait pas d'avion, bah oui. Le russe, on l'a pas vu là. Qu'est-ce qu'il fait en attendant? C'est un petit moment qu'on n'est pas allé le voir. Hein. L'allemand qui sort un Jagdpanzer, chasseur de chars. Attaque lourde 29, attaque légère 31. Oh, très polyvalent celui-là. Hein. Sous 85, c'est l'anti-char. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'anti-char. Ça mise beaucoup sur l'anti-char, on dirait. Et VDC qui va jouer ça aviation. 26 par jour quand même, hein, de l'anti-char. Hein, c'est pas rien. VDC qui va jouer aviation. Ouh, ça par contre, les gars, il pourrait se faire avoir VDC s'il fait pas beaucoup de char. Hein. Alors, attaque légère 30, non, attaque lourde. Serge, le plus important, c'est l'aviation avec le russe. Si tu as l'aviation et que l'allemand ne l'a pas, l'allemand il perce jamais. Ouais, ouais, je suis d'accord. L'allemand il fait une grave erreur. Là, j'ai l'impression qu'il se repose sur l'aviation italienne. Eh ben, je suis... Mais l'aviation italienne, non, elle va pas faire long feu. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Hein. Si vraiment Sirvenix a des chars qui prennent un ascendant décisif sur les chars russes, ça peut passer. Mais le problème, c'est que le russe il va quand même avoir des chars à côté. Donc char contre char plus avec, aviation. Avec 24 d'attaque aérienne, tu passes pas. Hein. Tu peux avoir les meilleurs tanks du monde si tu te prends 24 de oui, dans la gueule par chaque combat. Eh oui. Hein. Faudra voir ça. Bon, en tout cas, Will qui agrandit sa ligne de front. Will qui commence à avancer. Mmh. Espérons que ça va... Ça perd, mais c'est trop lent. J'ai sûr que les mecs, ils se demandent pourquoi on est arrivé là. Pourquoi un ordre demi? C'est que je galère contre la Chine, là. C'est honteux. Ouais. T'inquiète. Ok, bon, c'est pas grave. Sûr, c'est des demi-finalistes, ça. Sûr, mec, c'est la Belgique, mec, ou le Maroc. Il y a un bug de la matrice, là, monsieur. Panzer Division, oula, regardez-moi ça. Attaque légère 450, attaque lourde 335, c'est vrai, vraiment intéressant. R de 45 avec un peu d'anti-aérien. Imagine, on gagne, au final, on pleure, hein. Franchement, je pleure, mec. J'ai besoin de lui, oui, donc il va falloir donner les techs pour Okay. Trois trucs pour la lui, j'en ai besoin. G, ouais. Eh, ça va, Nick, c'est ce qu'on va faire. Il a sorti Template de Char, c'est un en deux finales, mec. Sur l'argent. Finalement, il ne va pas les garder secrets. Bah, j'aurais pu en avoir plus, je sais. C'est pour ça que je m'en fous de gagner ou pas, parce que si on gagne, Enfin, de perdre, parce que si on perd, au moins ça va. J'ai bien vu qu'il s'est écoulé en France. Hein. Vous voyez là, encore une fois, le même problème, et ils sont trop en train de penser est-ce qu'on est en train de débattre de leur performance. C'est vrai que Spat, ils disent ouais, on devrait pas être là, si on perd, c'est pas grave et tout. Mais c'est bien de se dire ça, ok, on est d'accord, c'est pas grave s'ils perdent et tout. Mais là, t'es dans le match, tu penses pas à ça, tu penses à ton match. Ils sont ouais, hyper dissipés. Ouais, mais le manque de concentration des joueurs, c'est. Ils se demandent ce qu'on pense d'eux, ils se demandent s'ils ont leur place ici. Eh les gars, stop, c'est la concentration, ça joue. En plus, ils sont loin d'être mauvais. Si, ah ouais, ils parlent d'autres choses là, au lieu de se concentrer sur le match, ils sont en mode oh ouais, mais c'est intéressant aussi. Comment tu fais tes pâtes? Parce que moi, je mets du basilic, du fromage râpé, et j'arrive pas à mettre tout à la bonne température. Mais on s'en fout, t'es en plein. Non mais c'est clairement ça. Surtout qu'ils n'ont pas volé leur place, ils ont un gros niveau, hein. Franchement, Sirvanix, pour avoir joué contre lui, il m'a battu, mais haut la main. Ils sont défaitistes là, que ça s'appelle la peur de gagner. Mais ouais, mais là vraiment, ça leur joue des tours plus qu'autre chose. Mais là, c'est pas une question de la peur de gagner, c'est juste en mode. On s'en fout, on est en demi-finale. Et alors, ça change pas. Ça change plein de choses en fait. Tu loues pour la place de la finale, c'est pas rien une finale. Ouais, ils ont totalement leur place. Hein. Si t'es en demi-finale, tu l'as pas volé. Il y a quelques matchs, ok, ils ont pas été joués et tout, ils ont gagné par forfait. Mais là, il faut le jouer. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont où Faut attendre de voir la France et à partir du désert. Je pense, les gars, on aura une vraie idée de ce que donne cette game quand les joueurs commenceront à se battre entre eux. Pour l'instant, c'est du combat contre du bot. Ça peut pas nous donner une vraie idée de ce que les joueurs font. Ne dis pas ça, Skymander. J'ai mis un biston de 10 000 balles sur Sirvanix. Ça passe en Belgique, c'est bon, ça se fait, les gars. Ok, il prend son temps encore une fois, visiblement. Non, je pense que c'est bon, ça tombe. Il reste Namur, Liège. Des Ardennes. L'Italie doit rejoindre. Allez, go. L'Italie doit rejoindre l'Axe. Ouais, l'Italie doit rejoindre l'Axe. C'est pas qu'il va pas trop tarder. Allez, l'Italie. Allez, Italie. Allez, Italie. Est-ce que les arbitres vont bien faire le boulot pour prévenir? Allez, go. Ok, ça entre en France. La question, c'est est-ce que Sirvanix attend à ce qu'il y ait. Ok, l'Italie rejoint l'Axe. Attention, côté Sirvanix, on écoute ça. Mais en France maintenant. Alors, les batailles. Oh, oula. Bien non, ah, non. Oh là là, Pat qui met une pété au navire français. Ok, c'est les Français, c'est pas les Anglais. Ah, français c'est... et anglais. Ouais, pour l'instant, c'est que des sous-marins. Bien. Ça, c'est bien. Je pense qu'il laisse le gros de la flotte au port. Ouais, Guillaume qui réagit tout de suite en envoyant les destroyers. Ok, bon, bah, le plan de Pat a marché 3 heures. Bon, c'est terminé. Voilà.
Ah ouais, ça entre en France, voilà. Bon, il fait sa full char sur Vanix, ça passe, c'est des bonnes templates, c'est de l'air de 45. Il fonce pas encore à Paris, il se fait un peu d'expérience peut-être. Ouais, il veut se faire de l'expérience. Je crois qu'il veut pas prendre Paris tout de suite. Là, l'Allemand qui veut faire de l'expérience en France, il a raison. Putain, c'est humiliant, la France qui est un centre d'entraînement allemand. Putain. On n'est pas respecté. Paradox ne respecte pas les Français de toute façon. Voilà. N'importe quel jeu anglo-américain, on n'est jamais respecté. Oh, voilà, tant pis. On sert à faire de l'XP aux à la Wehrmacht. Si dans les Total War, c'est pas dégueu. Ouais, mais Total War, c'est pas Paradox, c'est Sega. Ouais, mais c'est anglo-américain. Ah ouais. Enfin, si je dis pas de la merde. Non, si, c'est ça. Mante la Jolie a capitulé en 15 minutes. Non, Mante la Jolie, on est là, nous, on est en dessous de Paris, là, on est en Île-de-France, on est les maisons, on est libre. Lia, elle est en train d'attaquer alors que j'attaque, genre. Peut-être qu'il va rentrer en Mante la Jolie avant Paris. Bon, bah, ah, il a oublié de tirer le bot, je crois, ça. Aïe, chute de Paris, bon. Ouais. Cool. 11 Spitfire par jour, Guillaume, c'est vraiment pas mal. Bon. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? Non, j'imagine pas ce que c'est qu'on sert. Je fais 8 ans qu'on finit par jour VDC. J'ai 50 usines dessus désormais. Je sais pas la troupe néerlandaise qui est en Bretagne, j'ai... sur Vadix. J'ai combien à temps de. La laisse. Plutôt qu'il y a la guerre, d'ailleurs, je reviens, je vais pisser vite fait et chercher à boire. Ambiance canapé pour vodka aujourd'hui. Ok, ça y est. Allez, Will, finis-nous cette Chine. On n'en peut plus de la voir, cette Chine. Je produis presque 20 tanks par jour. Ouais. Putain, cette Chine en 40, c'est archi pas normal là. À la patte, c'est la PLS là. Il essaie d'attaquer les convois avec des sous-marins, mais le problème, c'est qu'il y a les destroyers qui escortent et faut faire autre chose là parce que. Ok, la flotte qui sort. Attention, la flotte qui sort. Elle arrive. Ok, patte qui nous fait une dinguerie. Ok, elle repart. Elle repart. Bon, bah voilà. Ça a été la sortie de la flotte. Ça a duré 10 secondes chrono, les gars. Bon, Pat qui va faire sa première grande campagne, la campagne de Grèce. Je pense que ça devrait bien se passer. Gardons un œil sur le japonais, puisque ça reste assez plat en Europe. Putain, mais qui nous finit ça, le japonais? Qui nous finit ça? C'est pas partout, c'est un truc de malade. Oh là, ça peut vous niquer une game, ça. C'est un joueur, le japonais, là. Allez, go. Ouais. Putain, faut qu'elle soit Alexandrie. Ah, mais il parle d'Alexandrie, il veut prévoir quelque chose. Bon, allez où? Une petite ambition. Bon, allez, courage, pas. J'ai tué 4 pilons chinois, c'est bon, comment ça, on a encore. Attends, j'ai pas de ravitaillement. Will, il en a marre. Il a tué tout le peuple. Jamais rien. Will, il a tué tout le peuple chinois. Jamais rien ce qu'il veut. Jamais rien ce qu'il faut, genre. Allez, Will, fais un gouvernement de collab et tu finis ça. Ah, bah, je suis pas étonné, mec. Vous voyez là, c'est. Il l'a pas fait, il. Non, il l'a. Quoi, mec? Et faudrait que Sirvanix, c'est le capitaine, bah, j'ai il le guide. Pas le Green Air, mec, en Grèce. Faudrait que Sirvanix le drôle, guide. Drôle, hein. Blague. Sirvanix guide Will, là. Gouvernement de collab, il a presque fini, hein. En janvier 41, il devra déclarer la guerre aux États-Unis. Les premières templates de chars. Il a sorti ses tanks. Ouais. Les lignes sont prêtes, il y a des chars. Ouais. 12 templates de chars. Beaucoup de chars. Mais beaucoup. Le spam là, franchement, il a un déficit de char qui est tellement énorme que pour moi, la meilleure chose à faire, c'est Sirnix attaquer le plus tôt possible. Hein. Sarge VDC est prêt. Ah oui, il est prêt. Mais plus Sirnix rush vite, plus il attaquera vite, plus il pourra mettre mal VDC parce qu'il a encore un déficit de 11 000 chars là, c'est beaucoup trop. Olé, monsieur Pat qui aime le risque, il ressort un peu la flotte. Et non, elle est rentrée. Allez, attention, les chars de Sirvanix à l'assaut. Mais là, il vient. Bah, il peut faire ça parce que. Sirvanix à l'assaut, les gars, et là, la main, tentative allemande. Ah, bah, ils ont la main. Tentative allemande. Il peut aller avec Sandri là. Il a pris la main. Elles sont où les troupes? Mais y'a rien, y'a que des Belges. Mais attends. Ils sont où les Anglais? C'est replié. Bah oui, ils sont où les Anglais? Je suis obligé de faire des convois, je peux pas faire des carrières en fait, je suis obligé de faire les... Il s'est replié à cause des convois. Si t'as pas de carrière depuis le début, ça sert à rien. Il a abandonné. C'est le peu de carrière que t'as pour le Raid. Attends, il a encore... Genre, tu utilises des trucs, tu loads la moitié ce coup de play, la moitié... Il peut se barrer en fait, s'il a pas de convois, il peut pas les ramener en Angleterre. Dès que c'est en pause, je vais en même temps... Là, elles sont toutes bloquées, hein. Genre, tu mets des scout planes, tu mets des naval bombers, tu les chasses avec tes carrières, tu mets des... L'Italien, attendez, c'est clairement, là, c'est du pain béni. Elle a la main qui ils sont abandonnés. Ah, ça y est, il bouge. Et ça, il se dit, attendez, c'est normal, là, qu'il n'y a pas d'anglais. Attendez, on va aller voir, on va jeter un coup d'œil avec mes tanks. Non, mais l'anglais, mais l'anglais, il fait quoi, là? Oh non, Survenix, perd pas de char, Survenix, voilà. Ah non, c'est bon. Mais attends, mais l'anglais, il est fou. What? Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'anglais, là? Lui, il s'est barré, c'est dit, bon, bah... Adios. Après, le cap. On a déjà vu au dernier match, l'Anglais a abandonné l'Afrique, peut-être qu'il prépare un débarquement. Ouais, mais bon, c'est du gâchis. Est-ce qu'à partir d'Angleterre, il prépare un débarquement? Non, mais là, c'est du pain béni, ça. Pour une demi-finale, c'est du pain béni. Et regardez, les gars, Pat de son côté qui pourrait largement prévoir un débarquement à Gibraltar. Bon, ça a l'air fortifié, je pense.
Non, c'est fortifié, il y a des troupes. Mais s'il envoie bien les marines, ça peut tellement passer. Oh, non mais attends, ils font quoi les... What the fuck, mais attendez. Elle est pas propre. Il y a des troupes à Malte, à Gibraltar, mais là, on a fait rien. Mais ça va être grave pour le commerce, là, pour les ressources. Je sais pas ce que t'en penses, Skybender. J'ai l'impression que ça panique des deux côtés, en fait. On sert Vanix. Vu qu'ils envoient, ils enlèvent ces disques d'Afrique, ils vont surtout en Asie. Non, parce qu'ils l'ont tiré parce qu'il avait pas de con... Il a quasiment plus de convoi, en fait. Ah ça y est, ça perd ça. Là, où l'américain va gagner finalement. Ok, Will qui a eu peur, Will qui a eu peur que les troupes anglaises partent tous en Asie, mais non, c'est vrai que c'est compris qu'il n'y avait pas de convoi. Non mais Will. C'est bon live. Hein. Non mais Will, il a fait aucun gouvernement de collaboration, ça sera vraiment jusqu'au dernier chinois. En attendant, ta maman ne pourrait te faire du fait qu'il y a encore la Grèce. Qu'est-ce qu'a tu juges, mec, c'est vrai. Bref, bref, bref. Bon, ça avance en Afrique, mais pas trop non plus. On voit que l'axe fait quand même attention. Attends. Allez, Will, une ville et c'est fini. Allez, Will. J'attends le cri de victoire au moment où il va gagner. Puis... il en peut plus. Il en peut plus, Will. Allez. Je vais voir si je peux. Moi, ce que j'attends, c'est surtout Barbarossa parce que là. Allez, c'est fini. C'est fini. L'Allemand qui a moins de dives que le Russe. Bon, ouais, je pépette. Pile au moment où je vais attaquer de l'Union. Allez, pépette. Pépette. Fais pas l'erreur, pépette. T'emmerdes pas. Je crois que je vais pépette. Genre, péter la vie de ma mère. Ouais, bien, bien. Non, oh, mais non, il a annexé. Il a tout annexé. Mais non. Mais pourquoi il va s'emmerder avec ça? Mais non, l'erreur. Parce que vraiment, là, en fait, il faut que je respecte. Il faut vraiment que j'ai le meilleur timing possible. Hein. Là, à un jour près, j'ai un carton jaune parce que je respecte pas la déclaration de guerre. Normalement, là, j'étais bon, mais vu qu'il y a oui, genre, j'étais prêt à faire le clic. Voilà, c'est bon. Ah, ça y est, Barbarossa, okay, ça commence. Parti. 1er septembre 41, l'Allemagne qui avance, la ligne de VDC qui semble prête à contenir l'Allemagne, qu'est-ce que Sir Vanix va nous pondre comme merveille? En tout cas, il avance de manière progressive, il n'y a pas beaucoup de chars, je ne sais pas ce qu'il va faire avec ces chars-là. Ah oui, c'est une bataille vraiment tout à fait décisive, c'est là que le match peut tourner en faveur soit de l'Axe, soit des Alliés. Pour l'instant, bon, pas grand-chose, pas encore de contact entre les Allemands et les Russes. Et je sais pas si t'as remarqué, Skymander, mais jeu très intelligent de Sir Vanix qui stoppe l'offensive avant la ligne de repli de VDZ. Il anticipe déjà où s'est retranché VDZ. Il a tué des petits chars de VDZ. Ouais, ce... VDZ. Pardon, ah, bah, elle est là, elle est en haut. Vision full anti-char. Ah, bah, 3 à. Regarde Europe, Kiev. Ok, Sir Vanix qui voit que la division ouais, de. Bah, tu vas pas passer le frérot, hein. Putain. Attends, mais il a fait des forts. Ouais. Supériorité aérienne, j'imagine. Attends, mais par contre, sur Kiev, comment ça se fait qu'il a autant de tout fort? C'est une ligne de défense. Ah, ça y est, ça parle de Kiev, ça se dit. Ah, monsieur l'arbitre, attends. C'est normal, là, les fortes. Oui, c'est normal, c'est normal. Attends, c'est normal, ouais. On va se dire que c'est pas bien. C'est pété déjà niveau 7. Ok, Cervanis qui tente un assaut pour affaiblir Kiev avant de ramener les chars, peut-être. Il envoie l'infanterie pour pas se taper l'anti-char dès le départ. Ah ouais, mais après, c'est quand même pété, okay. Les divs d'anticlères de VDC, hein, même si c'est que de l'infanterie en face, ça peut tenir. Okay. On regrette qu'il n'y ait pas de casse côté A. Vous voyez, hein, Sir Vanix qui envoie vraiment pas ses chars, il sait que ça pue le piège de VDC avec ses tanks et sa template anti-char. Je sais pas comment ça peut se dérouler bien, je vois mal, enfin je sais pas. L'Allemand qui tente un premier encerclement, attention, oh ça peut se faire. Là il est pas mal. Les marées c'est pas l'idéal. Les marées c'est pas ouf. Ouais, y a des malus. Risque. Ouais, les marécages c'est le pire malus de la Russie. Hein. Ah ouais. Allez, ils sont où tes blindés, Cervanix? Il fait quoi avec ces blindés, Cervanix? Ah, ils sont où les blindés là? Il en a pas assez. Hein. Ils sont en réserve. Ils sont en train d'aller trahir. Ils sont en réserve. Encercle derrière peut-être. Il va se faire encercler. Oulala, il va en perdre encore. Ok, c'est bon, les blindés qui arrivent. 202 navires. Les blindés qui arrivent. Allez, Cervanix, attaque. Dépêche là, parce que c'est grave. Aïe. Non, c'est bon. Putain, ah non, mais là, Cervanix prend aucun risque là, putain. Ok, faut que Cervanix là, il se fasse alarme, parce que VDC, il va faire que ça. Il va faire que de tendre des pièges comme ça. Pour les sauver, bah merde. Attention, char de Cervanix contre char de VDC. Alors, voyons voir qui gagne. Ah, c'est VDC qui. Oula, attention, allez, il y a une possibilité, Cervanix en cercle. Ah non, il renforce tout de suite. Ah hein. Non. Mais non, mais il a peur des tanks. Putain, il a peur des tanks de VDC. C'est parti. Regardez comment ils micro-gèrent tout de suite VDC. Les chars ils bougent en temps réel, c'est impressionnant. La micro-gestion de VDC. Oh, de la micro-gestion des tanks, c'est pas possible. Bravo. Oh là là, c'est bon, allez. Ouais. Ça d'habitude, c'est le russe qui se fait encercler en premier, mais non, cette fois-ci, c'est l'allemand. J'ai trouvé les anglais. Ah,
Pat qui prétend avoir trouvé les Anglais. Ah. Bah ouais, il y avait des Anglais qui étaient restés au niveau de l'Éthiopie. Les avions. Ouais, ouais, super, mais c'est pas la priorité. Ils sont au Sud-Soudan. Faut pas qu'ils perdent confiance, faut pas qu'ils perdent confiance, ceux qui restent surtout optimistes, là, rien n'est joué. Non, non, ils ne veulent rien, vraiment prendre qu'il essaye aussi d'encercler de son côté, Servanix, lâche pas. Barbarossa inversé l'Anglais, niveau convoi, c'est quoi? Il est bien monté, l'Anglais. Putain de jeu de merde. Arrête de cliquer, ça va 10 millions, là, une manière de faire un port, wesh. Oh, l'île est tellement minuscule, j'arrive pas à cliquer dessus. Servanix a fait barrer ses chars. Il a senti le piège. Ouais, ouais, il a des bons réflexes, c'est vrai qu'il a des bons réflexes. Bon, là, ça s'observe, hein. On est vraiment, on va dire, dans le round d'observation. Ça tente des petits coups, y'a rien de... C'est après quand? Tant que les chars se font pas encercler, ça va. M'a pris 42, what? C'est fini l'Afrique, du coup? Non, stabilisation, on a vu au niveau du Soudan, ouais, c'était sûr. Stabilisation au niveau de l'Ethiopie. Ouais. Après, non, mais c'est même pas des troupes anglaises. Oh, le japonais, il a pas perdu de temps. Allez, c'est parti. Bah allez, là, on est le 11 décembre, donc il fallait qu'il déclare à un moment ou à un autre. Réaction de l'Américain. Ah, est-ce que le Japonais va enfin nous montrer son niveau, les gars? Alors là, c'est que la moitié de la flotte. L'autre moitié, elle est à l'ouest des États-Unis. Et il va se faire péter tous ses convois, l'Américain. Oula, le Japonais, il a faim. Bah ouais, pourquoi il va pas les défendre, les convois? Il massacre les unités américaines. Là, à mon avis, l'Américain qui doit prendre des grosses pertes dès le départ. L'Américain qui a déjà perdu 100 000 hommes à cause du Japonais, c'est énorme. Oh, ça commence à énerver l'Américain, il a déjà eu 100 000 pertes rien qu'à cause des convois. Ça parle d'encercler des tanks, ouais, on va guetter ça, mais... Ça ne fait que 18 jours que la guerre est déclarée, déjà 100 000 pertes. Il y a même des Allemands, en fait. Je suis étonné qu'il y a un manque de réactivité de la part de l'Allemand qui a pas l'air de rencercler, tu vois, de relibérer, de rencercler. Dès que c'est condamné, c'est condamné, quoi. Après, voilà. Il veut pas prendre de risques. Ouais, vraiment. Même si il y a des pertes qui sont en cours. L'avantage est clairement côté allié pour l'instant. Servanix, faut qu'il nous fasse une dinguerie. BDC, tout compris, mais. Bah ouais, il faut qu'il sorte ses blindés là, Servanix. Il prend aucun risque, Servanix. Pour l'instant, il a supériorité aérienne, c'est un bon point, mais bon, ça veut pas tout faire non plus. Hein. Surtout qu'il y a pas de casse, donc à quoi ça sert d'avoir une supériorité aérienne si on en profite pas derrière avec un support? C'est de l'hésitation. Hein. Et VDC qui repart à la manœuvre, mais vous voyez, hein, il repart à la manœuvre VDC, mais il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Ces templates, ça roule pas non plus, ça perd s'il y a rien, mais. L'Allemand qui est quand même en mesure de tenir. Après, l'Allemand, est-ce qu'il a de l'anti-char? La réponse est non, je pense. Non, c'est la vision très standard. Hein. Ouais. L'Allemand, là, faut qu'il ramène les blindés. Ok, les blindés qui sont là. Allez, c'est parti. Les blindés allemands qui attaquent au niveau de Nikolaïev. Allez, est-ce que ça va percer ça? Le Japon qui déclare la guerre à l'Inde. Ouais, non, Cyrillic, ça passe pas. C'est pas soutenu. Ok, alors Cyrillic, il sait pas où les mettre, ces chars. Hein. Il fait que de les déplacer. C'est vraiment pas où les mettre. Kiev est tombé ou. Non, il est pas tombé, Kiev. Si. Non. Ah non, pour retomber. Ouais, Pat qui fait une action, ok, très bien. Ah, essaie de Malte, prendre mal, peut-être. Oui, on va. Ouais, ça devrait passer. Regarde le manque des matériels qu'il a à cause des convois, le Guillaume. Ah oui, il n'y a plus de convois. Il n'a pas récupéré les convois, l'anglais. Il n'a pas encore une totalité des convois. Hein. Non, c'est pas. Ah non, il est encore à zéro. Zéro, hein, vraiment. Allez. Il est en dette, quoi. Il est en crise. Ouais. Étonnamment, c'est le japonais qui semble prendre, les. L'ascendant côté allié au Pacifique, ouais. C'est inattendu. Ah ouais. Mais non, mais c'est vraiment là, il nous fait un massacre, monsieur Will. Et il vient de... Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il vient de totalement, on va dire, rattraper son honneur de la Chine, là. Ouais. Ah, on s'est moqué de lui en mode, oh là là, la Chine, il galère, le pauvre, il a raté ses débarquements, là, il est en mode, vous allez voir ce que je suis capable de faire, moi. Ah, c'est impressionnant. L'Américain, je défonce son économie, et quand il aura plus rien, ah oui, là, il y a les convois tombent, là. Ah ouais, les convois, t'as vu comment ça chute, là, putain. 106, 104, 103, 102, 102. Ouais. Et puis, ça peut être chiant, on va faire. Bon, l'Américain, où sa flotte, là, faut qu'il la joue, sa flotte. Hein. Ok, elle est là, la flotte. Elle va dans les Mariannes. Ceux qui demandent, est-ce que l'Axe a encore une chance? Totalement, rien n'est joué, absolument rien n'est joué. Il a une chance, mais il faut juste que... Fasse gaffe. Pour destroyer. Il a débloqué. Ils sont arrivés, il y a 50 kamikazes qui sont passés dessus. Il y a toute sa flotte ici, by the way. Donc on va essayer d'arrêter d'aller dans la zone des Mariannes, ça ne sert absolument à rien. Aïe aïe aïe, et les Philippines, ça va être une catastrophe. Il y a juste trop de kamikazes dans la zone des Mariannes. C'est gacha de Marine qui arrive. C'est quoi, c'est les Anglais? Oula, ouais, c'est quoi, c'est des nouvelles dives en plus. Réaction de Servanix. Attends, c'est d'antichar ou c'est de l'artillerie tout court? C'est de l'artillerie, réaction de Servanix. Non, c'est quoi? T'as peut-être. Et non, c'est des Marines, c'est de l'antichar, c'est Guillaume ça. Ah, la vinaise. T'as des unités armées. Ah bah non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il a perdu. Il a perdu de Paris, ok, d'accord. Quoi? Mais Guillaume? Oh là là, comment ça, la France officielle?
le petit espoir. Let's go, let's go, n'oublie pas de marcher. La France libre spawn. Ouais, oui, mais si. Oh là 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 là, Ouais, ouais, non, ça passera pas. Il va faire un truc peut-être. Il y a les blindés là, à mon avis. Non, mais ouais. À mon avis, c'est parce qu'ils ont pris Paris. Ouais, c'est des Français donc. De Gaulle, je suis désolé, non, De Gaulle, mais ouais. Tu fais pas le point. Si, ils avaient pris Paris. Ça va être un retour au vestiaire là, à mon avis. Non. Et ça fait ça. De Gaulle, tu retournes en Afrique, ça fait tu repars dans les. Puis... Ah, le russe, oulala. Donc en fait, on aura beau prendre tout ce qu'on veut. Oulala, cela envoie. Là, j'ai l'impression qu'il y a 3 tentatives d'encerclement de la part de VDC. Attends, VDC 1 en 3, putain. Oh là. Là, ça se voit, là c'est pas loin, là. Ah bah remarque, ouais. Non, en fait, y'a rien. Bon, capitulation. Y'a aucune troupe. Mais ouais, simplement, il va reprendre les mystères. Mec, j'ai tué 23 destroyers. Je crois que ça arrangerait tout le monde, quoi. Mec, Finesse essaye de niquer sa flotte, même si ça arrive. Je crois que Sylvanix baisse déjà les bras, les gars. Putain, c'est dommage. Dépêche-toi alors de chercher sa flotte. Sylvanix, c'est Sylvanix qui baisse les bras, qui a envie d'abandonner. Non, c'est dommage. J'ai une idée. Mais ouais. Ah, ils ont pas eu le moral dans cette game, les alliés, hein. Afrique du Nord, ça, bah non, mais là, c'est, à mon avis... Il n'y a plus rien qui bouge. Ouais, VDC qui lance la Sarge, la charge. La Sarge. Ouais, la fameuse Sarge. Bon. Putain, la VDC... À mon avis, VDC, vraiment, il se frotte les mains en train de se dire, c'est bon, les portes de la finale s'ouvrent à moi. Ouais, c'est clair. Ah, c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage, c'est pas le combat qu'on attendait, on aurait aimé vraiment un combat à mort. Et là, on a... Ah ouais, de toute façon, le moral, ça se voyait chez les alliés, ils se posent des questions depuis le début, ils sont dans le match, mais ils sont dans le match sans être trop dans le match non plus. C'est dommage pour eux, hein, parce qu'il y avait du potentiel, il y a du potentiel, mais là on sent que ça y a une... Ah ouais, je vous faisais confiance, là, l'équipe Servanix. Et vous avez tout gâché. À moins qu'il remonte ses chars. Je m'attendais à un match épique, et là, c'est un match, bon, qui est pas mal, qui est bien, mais c'est... Voilà, je m'attendais à encore plus. Quand tu penses à autre chose que le match en lui-même, et c'est comme ça depuis le début. Ouais, je pense que Pat Sirvanix sont vraiment... Je vais être honnête, voilà, ils ont vraiment plus rien à foutre, je pense. Ils retentent un dernier truc avec ses chars, mais il les bouge tout le temps, ses chars. Je pense que là, ils en ont plus rien à faire. Je crois que Sirvanix, il va se laisser faire, il va laisser tomber, il va laisser le russe foncer à Berlin. Attention, nous aurait-il fait mentir, Sirvanix? Si les chars ici... Oui. Olé, attendez! Jouait-il la comédie? Nous aurait-il tous arnaqué? Oh là, attends, non, VDC, voilà. VDC qui se laissera pas faire. Hein. VDC, il aime pas ça. Oh là, attends, si ça marche, c'est masterclass. Hein. Après. Réaction côté VDC? Il y a pas mal de tanks de VDC là qui peuvent encercler. Non, il se replie. Non, trop tard. Il les retient. Il fait tout, il tente tout. VDC qui bloque. Regardez les blocages qu'il met, VDC. Il envoie l'anti-char. Bon. Ah, ça parle pas, c'est concentré. Là, c'est Sirvanix qui est en train d'attaquer. Il y a 3 chars de VDC qui l'ont tiré sans chier. Bloc. Oui, bien. Oh, allez. Bravo. VDC, faut que tu mettes la mana finine, en fait. C'est ça qui te baise. Tant de l'anti-char, là. Dans tes décisions. Allez, tu retournes en situation. Ah bah, finalement, rien n'est perdu. Debout. Ah là là, Sirvanix qui jouait la carte morte. Qui faisait croire qu'il allait abandonner. Et bah non. Apparemment, il a engagé. Du coup, il est passé où? Je peux avoir ma flotte SVP? Il aurait engagé la flotte américaine, non? Allô? Ma flotte, en même temps, je vais lancer que j'ai tout. Mais frérot, pourquoi elle n'apparaît pas, en fait? Parce que la meuf a décidé d'aller se renforcer, genre, au lieu que les 4 bateaux viennent, genre, les bateaux se sont dit, putain, et si je partais des Mariannes d'Hawaï et je partais, genre, loin, tu vois, là? Ah, mais ça me termine, ouais, ça, merde. Juste que les 4 battleships viennent et se renfouent, en fait. J'ai rien demandé de plus, genre. On se rend bien la poire. Il a perdu des bateaux. À l'aide. Non, je crois que sa flotte elle est partie n'importe où. Il aurait perdu le contrôle de sa navire. Il y a une mutinerie. Genre une centaine de destroyers se baladaient, ils sont fait défoncer, quoi. Par contre, l'américain qui a plus de convoi. Ah ouais, là, il y a une perte, regarde là, où tu dis Iwojima, il y a une perte, je pense que c'est celle-là. Fais gaffe à pas se trouver, pas mourir d'un coup, mais... Regarde, c'est pas... Ah ouais, c'est... Moi, en vrai, même si j'ai perdu une partie de ma flotte, c'est des destroyers, ça sera... Il y a d'autres pertes, attends. Ouais, j'ai vu des destroyers, comme tu disais, ok. En tout cas, Sirvanix qui a mis un bon comeback dans la game. On parlait que c'était mort, je le sentais en baisse, mais ça semble revenir. Petit comeback.
pas quand même parce que bon, il se fait repousser. T'as vu les stocks allemands? Ouais, ouais, il a du stock l'allemand. Il a vraiment du stock l'allemand. Mais le problème c'est qu'il a du stock, mais il l'exploite pas dans le sens où bah VDC a plein de chars derrière. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Ouais, je non, mais je il peux a... comprendre je que pas, pour le moral. Je ne sais pas si Sirvanix attend quelque chose. Bah, je pense que le moral il est pas haut là. Il est pas haut, on peut écouter non. Côté. Ah, il a. Alors, il a envoyé ses tanks, je crois, là. Il a commencé à les envoyer, les tanks qu'il avait en réserve. Là, je suis côté Axe. Là, il aura plus rien pour défendre. Non, mais c'est fini. Hein. C'est pur, c'est une lente agonie, là. C'est juste, là, ça va être la lente agonie de l'Axe. Alors qu'avant, bah, c'était la souffrance. Et encore, hein, tu pouvais quand même les dégager d'ici avant la guerre. Mais après, là, il aura fait un beau match, quand même, Cervanix. Moi, je Red Bull. Le premier arbitre. Ah, ça va. Il va manger, au pire. C'est bon, moi, je vais continuer, mec. En fait, genre, tout le monde aimerait arrêter, là. Même enfin, je pense qu'ils aimeraient arrêter. Ah, déclaration de forfait. Bah, en soi, moi, j'ai gagné, tu vois. Oui, toi, tu peux... Enfin, après, je crois que t'as un peu gagné parce que j'ai quand même bien aidé avec mes sous-marins. Ouais. On a quand même gagné, en Méditerranée. Bah oui, bon, nous, en fait, on a gagné face au Royaume-Uni. Hein. Ah, là, c'est gagné, pas une question à se poser. Mais par contre... C'est pas le Royaume-Uni qui fait la victoire. C'est pas le Royaume-Uni qui fait la victoire. C'est mal foutu. Non, 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 c'est clairement le russe. Mais non, mais qu'est-ce qu'il nous a fait à Berlin? N'importe quoi. On n'a plus rien à foutre, allez hop. Savanix, il déprime, il veut abandonner. Will, il veut pas trop. En fait, y a juste Will qui veut pas, qui veut continuer. Moi, ouais, c'est drôle qu'on laisse. Nous, on voudrait juste arrêter, bah comme ça, ça libère tout le monde, quoi. T'inquiète pas, Will, si ça te rassure, on a vu tes performances dans le Pacifique. T'as lavé ton honneur par rapport à la Chine, t'inquiète ouais, pas. Ouais, mec, j'ai un peu galéré en vitesse 4 tout le long, quoi. Ouais, ouais, mais c'est pas grave, tu t'es bien vengé en Asie. Nous, on a défoncé, on a massacré l'anglais pour le coup, mais. Ouais, bah, après... Le russe, c'est trop cheaté, quoi. C'était une grosse équipe en face, c'était. Ouais, ouais, il a fait. Bon, je pense, honnêtement, ce qui a niqué votre game, c'est juste le choix des équipes. Vous aurez vraiment voulu jouer allié, je crois. Et ça, bah, on n'a pas joué l'Axe une seule fois. Ouais. Ça doit faire 6 mois que j'ai pas joué l'Allemagne, Vanya, que ça soit en multi ou en Vanya. En multi ou en solo. Vous voyez le chat, d'où l'importance de faire ses devoirs. Là, je l'ai joué, mais genre, je l'ai pas joué en envahissant l'URSS. Bah, moi, j'aurais pu continuer, mais bon, vu qu'il y a plus d'allemand, pas. Plus d'allemand, ça va être compliqué. Rien. Voilà, j'en ai testé. Allez, Il est tout content d'avoir gagné, mais ça fait une heure qu'il se tape en vocal. Il saute de sa siège. Ça fait vraiment une heure. Ça fait vraiment une heure, mec. Moi, je suis content. Les gars, ils ont FF. Oh. Et moi, à côté, qui est en train de me dire. Le game, il est terminé. Putain. C'est quoi qui est destroyer, votre gars? Vraiment, bah, écoute, je leur ai donné des ordres. Ils ont décidé de ne pas aller là où j'ai demandé. Du coup, ils sont détruits. Bon, en tout cas, les gars, c'était une belle demi-finale. On s'attendait à de grosses équipes. Ça a été un beau match, vous avez fait votre gameplay, chacun de votre côté, voilà. Bon, c'était, il y a une petite différence de niveau, là. Attends, on peut bien te play pour que je fasse une bataille navale avec votre cas. Je pense pas que ma flotte va faire grand chose, mais allons-y. Et viens dans la mer des Mariannes, mec. Là où t'as genre 2000 de mecs qui kamikazes. Viens garde du Nord. Tout pareil. Littéralement zéro convoi. Bon, ouais, c'est bon, les gars, on est gentils. Ouais, on arrête, il est trop long, il arrive pas à me trouver, il est trop faible. À partir de demi-finale, c'est genre qui sera l'allié, ceux qui vont être allés vont gagner, quoi. Non, vraiment pas, parce que là, mais si. Sarge, on a combien d'heures de jeu? On en a plus que toi. Alors détrompe-toi. Désolé Sarge, mais t'as moins d'expérience que nous. Écoutez, si vous perdez votre finale avec les alliés, vous me devez tous 50 euros. Non mais après on peut perdre, c'est pas un problème, le truc c'est qu'en ça fait... Change, les... Ça change, hein. Non mais après on peut perdre par du skill issue, mais en fait le truc c'est que l'équilibrage actuellement du Vanilla est fait que le russe est beaucoup trop broken. Et ben c'est là où le talent entre en jeu. Parce que la preuve, on a gagné en Méditerranée, enfin plus ou moins, en Asie, bon bah on sait pas trop, et... Vas-y, c'était mitigé, mais on gagnait, pour le coup on allait gagner. Et le fond de l'Est, bon bah voilà, hein. Ah oui, non mais là, après voilà, nous on a regardé le jeu, il y a eu un peu des erreurs de tous les côtés. Après ça a joué, bon, bah, c'est pas passé en URSS, ça aurait peut-être pu dans deux. Ah, bon, après, non, j'ai pas tryhard. Vu la défense russe, j'aurais rien pu penser.